Donc, et en fait, cette thèse, j'ai écrit à Rome pour dire, à mes supérieurs à Rome, pour dire que je suis prêt. Alors, je reçois par le tour de courrier une lettre qui dit, mais presque, mais qui êtes-vous? Et entre-temps, on a changé de supérieur, on a changé l'équipe dirigeante, et ils ne savaient pas qui j'étais, ni ce que je foutais, ou presque. Mais le nouveau supérieur général, c'était un certain Van Asten, un bonhomme ultra ouvert, hollandais, et donc post-moderne à souhait. Il a fini par épouser une secrétaire du FAO, où il a terminé ses jours comme expert d'agriculture plutôt que d'apostolat. Il était de passage en Angleterre et donc il a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai dit, écoute, je suis à votre disposition. Il a réfléchi un peu, il a dit, bon, tu connais l'arabe, tu as fait quand même de l'islamologie, de l'anthropologie, c'est bon. Les Pères Blancs viennent de rapatrier à Rome un institut d'études islamologiques et arabes qui avait été créé en Tunisie. Bon, à l'époque où on a mis tous les Pères Blancs dehors, on a rapatrié cet institut aussi, et ça s'appelle désormais l'Instituto Pontificio di Studi Arabi à Rome. Ça te dirait de faire partie de l'équipe et d'aller faire du terrain en Afrique de l'Est, en Tanzanie en particulier, auprès des musulmans noirs. Sous-entendu que, de nouveau, nous avons le top, on a la vérité divine, on ne fait pas mieux que le catholicisme, mais comment ça se fait que les gens n'achètent pas ça? Il doit y avoir un problème d'emballage. Pourquoi est-ce que il devient protestant, ou pire encore, musulman? C'est quand même bizarre. Donc, aller noyauter les musulmans noirs pour expliquer comment on peut quand même remédier à les sortir de cette pente glissante, si tu veux, les remettre sur la bonne voie. Alors moi, j'ai dit, bon, obéissant, j'ai toujours été obéissant. J'ai dit, bon, si c'est comme ça que vous décidez, c'est bon. Alors, je suis allé à Rome négocier, pas négocier, on ne négocie pas dans l'église, on s'écoute et on signe son arrêt de mort, c'est tout. Et donc, je suis allé voir le recteur magnifique de cet institut pontifical. C'était tous des copains, je les ai connus. Il y avait un qui était de mon année, qui est devenu nonce apostolique au Caire après. Il y avait un grand bonhomme qui est toujours là. Il doit être plus que centenaire, Bormans, grand spécialiste du mariage islamique et de l'Algérie. Et d'autres islamologues chevronnés. Et le supérieur, le père Gelot, qui avait été supérieur, un des supérieurs généraux de la société et qui a toujours vécu dans les hautes sphères ecclésiastiques, il ressemblait beaucoup à De Gaulle et avait le même type de tempérament. Il se méfiait des Anglais et de moi en particulier parce qu'il savait que si on m'avait condamné aux études, c'était pour que je devienne ou redevienne catholique, si tu veux, et pontifical. Donc, bon, il dit, bon, vous êtes le bienvenu, mais il faut quand même refaire une santé en arabe littéraire, et puis il faut quand même ne pas trop déconner, quoi. Ça, j'avais très bien. Moi, il n'y a pas de problème. Bon, il dit, bon, vous êtes désormais research assistant, institut de recherche, à l'Institut Pontifical des études, qui était dans un superbe palais romain, en bout de la Piazza Navona. C'était un très bel endroit. Donc moi, ça me disait de retourner, terminer mes vieux jours à Rome.
comme expert islam noir, si vous voulez, surtout islam noir en Afrique de l'Est. Il y avait déjà eu pas mal d'islamologues en Afrique de l'Ouest, mais pas énormément dans les pays anglophones. Il y avait eu deux ou trois pères blancs déjà nommés dans ces mêmes eaux, mais ça n'avait jamais rien donné parce qu'ils étaient isolés, si tu veux. C'est ça qui ne va pas. Tu formes un expert en un domaine en imaginant qu'il va être rentable. C'est ignorer que, par les temps qui courent, tu n'en sors pas si ce n'est qu'en équipe. Et les deux islamologues qu'on avait préparés pour la Tanzanie, un avait été scroté, comme disent les Belges, par son évêque noir pour créer une école pour les sourds muets. L'évêque lui a dit, on n'a pas de problème avec les musulmans, mais avec les sourds muets. Donc lui, quand je l'ai vu à Tabora, le pauvre, il a sorti d'en dessous de son lit une cantine rouillée et poussiéreuse, pleine de bouquins en arabe. Et il a dit, Mike, ça ne me sert plus, prenez ça, c'est toi maintenant l'expert. Et l'autre, c'était un Suisse, Schildenecht, qui était chez les Pères Blancs à Dar es Salaam. Mais lui, c'est ça qui est terrible, si vous voulez, ou l'effet pervers des islamologues, c'est que l'islam, ignorant la dichotomie Église et État, si tu t'enlises dans l'étude de l'islam, tu es très vite dans la politique politicienne. Et ce type était presque devenu un espion occidental pour les ambassades européennes dans le monde musulman en Tanzanie, qui déjà à leur insu, à la limite, virait vers un certain radicalisme fondamentaliste. Ce qui n'était pas... moi, j'ai connu l'islam en Afrique, bien avant les dérapages actuels. Bon, ils étaient islam, certains plus purs et durs que d'autres, mais pas du tout fondamentalistes ni fanatiques. Ça, c'est vraiment... Ça peut déraper très vite, c'est ça qui est terrible. Tu peux être très, très vite dans l'horreur. Si on ne s'arrête pas à temps, c'est un peu le leçon de ce bouquin écrit par Turnbull sous les... Un peuple de fauves en français, mountain people en anglais, ou des braves chasseurs, cueilleurs primitifs, entre guillemets, privés de leur mode, le milieu où ils se reproduisaient culturellement, devient en une génération des inhumains total. Il faut vraiment. Ça, une des leçons de l'anthropologie, c'est que tu peux être très vite dans l'Apocalypse Now, si vous lâchez trop de lest ou si vous ne freinez pas à temps. La culture est extrêmement fragile. Le cas de l'Allemagne est là, le cas de tous ces fascismes qui tout d'un coup sortent de derrière les fagots et on est baisé de son vivant sans crier gare. Et donc, mais j'ai dit quand même à la fois à Van Asten et au Père Gelot, laissez-moi quand même d'abord me familiariser avec des Africains ordinaires, entre guillemets. Et les Wakonongo de la Tanzanie étaient à peu près la seule ethnie à ne pas figurer, si vous voulez, dans le domaine monographique. Il y a eu pas mal d'études ethnographiques de la Tanzanie, notamment missionnaires, mais les Wakonongo étaient restés une sorte de trou noir pour des raisons que j'expliquerai à l'instant même. Et donc, je suis parti en Tanzanie après avoir fait un recyclage en arabe littéraire au Bourguiba School pendant l'été 69, où j'ai pu aussi faire du terrain dans le sud de la Tunisie, avec ce fameux Père Louis, auteur d'un immense thèse d'État sur les potiers de Djerba. C'était vraiment un grand islamologue et un grand ethnologue, si vous voulez. Et c'est intéressant parce que ça va me servir après pour comprendre les différentes formes de nomadisme. Parce qu'on est allé dans le sud tunisien, où en fait, toute réflexion faite,
ceux qu'on imagine être les nomades par excellence, les gens du Sahara, les Touaregs, les Bédouins, tous les copains de Laurence d'Arabie, si vous voulez, ne sont pas des vrais nomades. Ça veut dire, ils sont moins nomades que, paradoxalement, les Wakonongo, puisque c'est des transhumants. En été, ils sont dans le sable. En hiver, ils reviennent dans leur gorofa, dans leur grenier où ils ont stocké le peu de blé qu'ils ont pu produire. Donc, c'est des nomades va-et-vient. Il faut en aller-retour sur des pistes pointillées. Ils suivent les pointillés. Ils ne vont pas vers l'inconnu de manière indéfinie. Mais je reviendrai là-dessus, mais c'est intéressant quand je parle de nomades, j'ai connu quand même, j'ai fait du terrain en Mauritanie et en Tunisie. Donc, entre guillemets, je connais un peu de quoi je parle quand je parle des peuples nomades. Et donc, après avoir fait ce recyclage en arabe, je retourne en... Mais c'est aussi intéressant parce que c'était 69, donc c'est le moment où... on marche pour la première fois sur la Lune, chez les Pères Blancs, à Libla, en plein milieu de la Médina, de la cité arabe de Tunisie. On est resté debout jusqu'à minuit pour voir ça à la télévision. Et on discutait des choses et d'autres, entre autres, du célibat clérical. Et moi, je dis, ne vous faites pas des illusions, le témoignage envers des peuples qui ne jouent que par le devoir matrimonial et nul et non avenu, ça n'impressionne pas, ça leur paraît de l'égoïsme ou du nombrilisme. Vous échappez à votre devoir de contribuer à l'avenir de l'humanité. C'est peut-être très exaltant spirituellement, ça vous rapproche de la Vierge Marie et de Jésus, etc. Mais ne vous faites pas des illusions, ni la pauvreté, ni l'obéissance, ni le célibat témoigne des valeurs évangéliques au point où vous l'imaginez. Surtout, la plupart des congrégations religieuses, ce n'est pas le Club Med, mais c'est quand même un club de vieux garçons. On n'a rien. Il y a des bobonnes qui font la lessive, vous ne faites pas la vaisselle, vous mangez relativement bien. Donc, ça ne témoigne pas exactement à ce que vous imaginez. De toute façon, les pauvres disent pourquoi est-ce qu'il faut être pauvre, c'est mieux d'être riche. Et donc, les mariés aussi. Bon, les mariés, parfois, ils rêvent d'être célibataires, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, j'ai parlé de ça. Malheureusement, il y avait un jeune prêtre Père Blanc qui était là, qui écoutait attentivement. Il paraît qu'il avait été nommé comme moi à cet institut pontifical des études arabes, mais il a défroqué sous le champ en disant que Mike a dit ça sert à rien de serrer les fesses. Bon, moi je savais pas ça. Moi, c'est ça qui est terrible dans l'Église, comme je vous ai dit, tout ça se passe en innocence face à face, mais ça remonte très très vite, très haut, et ça finit par vous tomber dessus. Comme dans les films de Charlot, tu vois, Charlot, il tape distraitement sur un punching ball, et puis ça monte, et puis ça le tape dans le dos, et il tombe par terre. Dans l'Église, c'est la même chose. Tu déconnes, tu dis tout ce qui te passe par la tête, tu n'y penses pas, et puis, pof, ça te tombe dessus sans crier gare quelques instants plus tard. Et donc, moi, en innocence de cause, je parlais comme ça, moi, le célibat, ça a certains avantages, certains désavantages. La pauvreté aussi, etc. Je ne suis ni pour ni contre. Donc, je pars en Tanzanie avec cette vocation, cette mission d'aller étudier de près les communautés noires, musulmanes, à l'intérieur du pays. Et d'abord, comme je vous ai dit, connaître un peuple, entre guillemets, normal, qui était les Wakonongo, parce que c'était un des seuls non encore inventoriés parmi le grand groupe ethnique du centre de la Tanzanie, les Wanyamwezi, qui nous, on croit que c'est une tribu. En fait, c'est tout simplement
un nom d'un peuple qui habite dans, dans une direction. Quand les explorateurs avançaient de l'est, de Dar es Salaam, de Bagamoyo, ils demandaient toujours qui est-ce qu'on va rencontrer demain, en voulant savoir si c'était des Bongo Bongo, des Congo Congo. Des... Et les gens disent, les Blancs sont bizarres, mais on va vers l'ouest. Et donc, demain, on est chez les gens de l'ouest, les Wanyamwezi. Et c'est tout. Il y a encore plus loufoque. Stanley a demandé une fois, demain, on va chez qui? Et les gens, ils ont répondu, mais c'est les gens de là-bas, les Waha. En Swahili, Hapa, c'est ici. Et quand il est arrivé, il a dit, vous êtes qui? Et les gens ont dit, mais vous ne voyez pas, on est les gens d'ici, Waha. Alors, ils sont restés une grande ethnie des Waha. C'est la même chose pour les lacs aussi. Tous les lacs africains de l'Ouest s'appellent Minzi, Maji, parce que l'explorateur disait, mais c'est quoi ça? Quel est son nom? Alors, il voulait savoir si c'était le Tanganyika. Il dit, mais les Blancs, vous n'avez pas d'eau chez vous, c'est de l'eau, de Maji, Minzi. Alors, lac Maji, c'est synonyme, c'est de l'eau, de l'eau. Les Wakanongo, en fait, s'appelaient les Wadakama. Dakama, c'est le sud, c'est les gens du sud. Quand tu demandes à Tabora qui est-ce qu'il y a là-bas, eh bien, ils disent, mais c'est les gens du sud. Les Wakanongo, en fait, ça ne s'appelait pas Wakanongo, évidemment. C'est comme moi, quand je suis en Belgique, je ne m'appelle pas Belge, je m'appelle Wallon. Quand je suis Wallon, je ne m'appelle pas en Wallonie, je ne m'appelle pas Wallon. Je suis Namurois, à Namur, je ne suis pas... Donc l'identité, tu n'as jamais une identité à tout jamais comme un boulet au pied. Vous déclarez votre identité en fonction de qui vous interpelle et dans quel jeu vous êtes en train de jouer. Ça, c'est l'évidence même en anthropologie actuellement. Mais à l'époque, on pensait encore... à la tribu, à l'ethnie des Wakonongo. En fait, Konongo, ça veut dire tout simplement Konongo, c'est une houe à travailler la terre d'une certaine forme. Et les Wakonongo étaient des forgerons de père en fils depuis des siècles. Et ces houes faisaient figure et fonctionnaient comme de la monnaie. On dotait une femme avec des houes. On payait les taxes de passage quand on faisait des voyages en caravane avec des houes. Ça faisait monnaie. Donc, ils fabriquaient presque en quantités industrielles des houes. Ils étaient connus comme un peuple de fabricants de houes. Mais ils cultivaient sur brûlis. Ça, c'est de nouveau, si vous avez des lunettes noires, vous ne voyez que du noir. Si vous avez des lunettes... bleu, vous ne voyez que du bleu. On ne peut rien voir sans lunettes, mais il faut faire attention à savoir quelles sont vos lunettes. Vous êtes géographe, vous regardez les gens, c'est des cultivateurs sur brûlis. Mais les Wakonongo ne se disaient pas cultivateurs sur brûlis. Ils savaient qu'ils cultivaient. Ça veut dire chaque année, on défrichait, on déboisait, on avançait dans la brousse environnante. Ce n'est pas la grande jungle tropicale. C'est plus qu'un parc clairsemé. C'est une forêt très accueillante, très solaire, ambrée, très prodige aussi. Ça donnait tout. Les gens s'habillaient avec de l'écorce de l'arbre, l'arbre providentiel, le miombo, le brachystegia, est un peu comme le chêne chez nous ou le baobab en Afrique de l'Ouest. Ça servait à tout. On dit oui, mais ça veut dire qu'il y avait un chef qui donnait des ordres aux gens de cultiver et d'avancer dans cette direction. Absolument pas. Je ne sais pas comment ils étaient il y a quelques siècles, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais dans les années 69 et 72, quand moi j'étais chez eux, ils nomadisaient au sens le plus fort du terme. Ça veut dire qu'ils allaient de l'avant incessamment et indéfiniment. Le nomade va de l'avant sans fin, dans les deux sens du terme. Il va nulle part,
C'est-à-dire, il n'a aucune idée où il va aboutir, parce qu'il veut pas, il n'y a pas d'aboutissement. Et surtout, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de sens définitif. On va de l'avant. Et surtout, ils allaient de l'avant sans programme. Chaque famille, en fonction de ses besoins et de son courage au travail, défrichait qui abattait 100 arbres, qui 50. Ça dépendait de la taille de la famille, du courage de l'individu. Il n'y avait pas de chef dirigiste. Si vous êtes nomade en Mauritanie, il y a un chef qui dit « Demain, tout le monde emplit bagage et on s'en va une vingtaine de kilomètres au puits suivant. » Chez les Wakonongo, il n'y avait personne qui donnait des ordres. On défrichait. Ce qui fait qu'il y avait deux types de champs, si vous voulez. Il y avait les champs qui avaient été défrichés et qui dégénéraient en fertilité année après année. J'ai des dias où on voit très bien que les champs défrichés, depuis longue date, deviennent du sable. Et les champs en forêt, surtout en seconde année, sont très noirs parce que l'humus a eu le temps de se décomposer. Ils sont très bien entretenus. On laisse des arbres qui servent encore à quelque chose. Et ils sont excessivement fertiles. Pendant deux ou trois années, tu fous des cacahuètes en terre, tu fous des patates douces en terre, des haricots. Ça pousse. Mais moi, j'étais... Nirel disait, il faut être self-reliant, kujitegemea, il faut se débrouiller. Mais moi, je me débrouillais après six mois. Parce que je suis allé, ça j'ai oublié de le dire, le père Walsh m'avait encouragé de faire une expérience de prêtre paysan. C'était la belle époque des prêtres ouvriers en Europe. De nouveau, maintenant on voit que tout ça était excessivement équivoque. Ça veut dire que l'Église perdait la classe ouvrière et donc a permis à certains prêtres d'être ouvriers. Mais chez la moitié, c'était un faire-semblant. Je me fais ouvrier dans l'espoir que les ouvriers vont de nouveau faire confiance et revenir à l'Église paroissiale. À ce moment-là, j'enlève mon bleu de travail, je remets ma soutane et tout rentre dans l'ordre. Et donc, c'était... L'ambiguïté, c'était que le prêtre, il faut absolument des prêtres, autrement, il n'y a pas de salut. Malheureusement, ça ne se vend plus, donc il faut réemballer la marchandise, il faut appâter mieux les ouailles. Mais le problème, c'est pourquoi est-ce qu'il faut des prêtres? Ça veut dire, c'est ça, finalement, certains prêtres ouvriers ont dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut être prêtre? Être ouvrier, c'est mieux. Et moi aussi, je suis parti avec cette idée que le curé classique, constipé, chiant, obsédé par le péché, tout ça, c'était fini. Il fallait être cool, relax, pour montrer qu'il y avait des prêtres très humains, etc., etc., et des prêtres qui pouvaient se débrouiller, qui étaient un avec le peuple, etc. Et donc, mais pour finir, je dis, pourquoi est-ce qu'il ne suffit pas d'être paysan? Pourquoi est-ce qu'il faut ajouter un sacerdoce? Et ça, c'est vrai pour tout et n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il faut des médecins? Pourquoi est-ce qu'il faut des profs d'UNIF? Du moins, à ce point, stagnant, stratifié, isolé du peuple, se prenant pour le nombril de la terre et complètement incontournable. Il y a des peuples qui se débrouillent très bien, sans médecins, sans avocats, sans profs et sans curés. Et donc, c'était ça. L'ambiguïté, je me suis beaucoup amusé et beaucoup plu à jouer le rôle du prêtre paysan. Et ça a marché. Les gens ont trouvé que j'étais sympa et que je travaillais bien. Bien que, ça aussi, ça a été un choc culturel. J'ai dit au Wakonongo, en arrivant chez le vieux chef Jacobo,
vieux chef, c'était celui qui avait défriché pour premier le coin de la clairière d'Inyonga qui s'appelait Mapili. Et donc, il était plus ou moins le plus notable des notables du cru. Et j'ai dit, Jacobo, voilà, je suis père blanc, là, c'était clair et net. Parce qu'il y avait une paroisse, il y avait un abbé africain qui dirigeait la paroisse. Mais j'ai dit, Nirere dit désormais, il a fait un discours à des bonnes sœurs, Mary Knoll, les bonnes sœurs américaines, il faut absolument maintenant que le prêtre ne soit pas un parasite, qu'il ne soit pas un suceur de sang, que lui aussi gagne sa vie à la sueur de son front, qu'il quitte son monastère, qu'il laisse son Mercedes dans le garage, qu'il boulotte avec les paysans comme moi je le fais. Donc moi je dis, voilà, je suis là, j'aimerais bien travailler comme vous, manger comme vous, tout comme vous, sauf le péché. Évidemment, on ne pêche pas beaucoup ici, mais... Voilà, si vous voulez travailler, voilà, il m'a monté des terrains. Voilà, vous pouvez cultiver du riz ici, du maïs là-bas. Et je me suis vraiment, j'ai travaillé comme un nègre, c'est le cas de dire. Pendant les premiers 6 mois, j'ai dit, j'ai pas de maison, mais je vais vous abattre des arbres, comme ça je contribue au bien commun. Et après, une fois que je suis self-reliant, que je me débrouille, eh bien, ça ira mieux. Et vraiment, c'est pas compliqué. Ils m'ont montré aussi comment il fallait houer, se servir de la houe, comment il fallait se servir de la hache, etc., etc. Et ça, c'était très émouvant, comme je vous ai dit, je crois. Pour une fois, ils ont dit, on a un blanc à qui on peut apprendre quelque chose. Un blanc qui est un fils et un frère, et pas un père, si tu veux. Et j'étais très heureux, j'ai beaucoup travaillé, mes mains étaient en sang. Et après quelques mois, les vieux m'ont dit, Mike, calme-toi. Les blancs sont énervants. Pourquoi est-ce que tu veux travailler? Nous, notre rêve, c'est de ne plus travailler, mais de faire travailler les autres. L'homme n'est pas fait pour travailler. Calme-toi, assieds-toi, ne nous fatigue pas avec tes conneries de ceci et de cela. On va discuter, on va papoter, on a de quoi manger. Les femmes sont gentilles, les gamins aussi. Et donc, j'ai dit, il y a de la bonne bière. Ils ont dit, calme-toi. Alors, je me suis calmé. J'ai continué à travailler quand même. Surtout, je travaillais à des moments de travail collectif, quand tous les gens se mettaient ensemble pour travailler pour un notable et surtout pour peinter de la bière. On était payé en bière, si tu veux, une bonne bière locale. Fait maison, un de ces grands bidons de 20 gallons avec du maïs qui a fermenté avec 4 gallons de miel dedans, ça ressemblait à un goulash hongrois ou de la soupe aux champignons, mais c'était vachement bon, très nourrissant et excessivement enivrant. Après 2 ou 3 calabasses de ça, tu étais mais joyeux, béat et bon pour bouffer le voisin. Parce qu'ils m'ont dit, la seule fois qu'on a connu des cas d'anthropophagie, de cannibalisme, c'est quand on avait trop bu.